Salut les amis, c'est moi Ricky. Si, si, c'est bien moi, déguisé en petite fermière. Vous vous doutez bien que ça ne peut pas durer, un champion comme Ricky reconverti en ouvrier agricole. Eh ben vous avez raison, et je vais rejouer au Battle Ball. Un certain McKay est venu me défier. Il croit qu'avec son équipe, ils peuvent vaincre les champions de l'univers. Remarquez, ils ont fait fort. Vous savez qui va les entraîner? Eh ben c'est Franken. Vous vous souvenez de lui? Il a été l'entraîneur des Satanos il n'y a pas si longtemps. Et la meilleure, c'est que le lanceur de son équipe me copie. Il réussit à faire des balles du tonnerre et sans aucune protection. Impressionnant, non? Enfin, moi, je m'en souviens. Et je me souviens surtout de leur nom, les Devil Thunders. Je leur ai montré de quoi j'étais capable et que j'avais pas peur d'eux. J'ai dit à Franken qu'on les ridiculiserait. Je crois que ça lui a pas plu. Bah tant pis, il verra bien. On est imbattable. Quelle joie pour moi de te revoir, Ricky. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais dis-moi, est-ce que c'est vrai? Il paraît que tu as travaillé comme valet de ferme chez tes grands-parents. Ah, vous êtes au courant? Ma réputation de champion s'est envolée. Que reste-t-il? Le souvenir de Ricky, valet de ferme, c'est trop injuste pour une vedette comme moi. Mais arrête de te lamenter sans arrêt. C'est vrai, c'est agaçant, la longue. Ils ont raison, ça ne sert à rien de pleurer. Oublie que t'as été valet de ferme et pense à l'avenir. C'est ce que je vais faire. Ricky! Hein? Nathalie! Ah, je suis heureuse de te revoir parmi nous. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps, Ricky? j'ai donné un coup de main à mes grands-parents. C'est très important d'aider les personnes âgées dans leurs tâches journalières. Oh? C'est toujours très important de faire correctement son travail. Et j'espère que tu as décidé d'être un peu plus sérieux pour le prochain match, Ricky. Les Devil Thunders ne seront pas faciles à battre. Oh, mais je crois rêver. S'il part comme ça, ça veut dire qu'il sera de nouveau notre entraîneur, hein. C'est bien ça, professeur Gabriel? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas de jouer sous mes ordres? Tu crois que le grand Roquet n'est pas à la hauteur pour battre les Devil Thunders alors qu'il est le meilleur entraîneur? Oh, mais pas du tout. J'ai toujours pensé que c'était vous le plus grand. Finalement, je suis content de voir que tu n'as pas changé, Ricky. Mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous annonce le retour sur scène de la chanteuse Mélodie. Mélodie! Ça fait si longtemps que je l'ai pas vue que j'ai cru voir une apparition. Cette fille, je l'adore, vous savez. Vous avez changé en quelques mois, vous êtes devenue une jeune femme. Vous êtes très gentil. Nos téléspectateurs se posent tout de même la question, est-ce que Mélodie est fiancée? Eh bien, Oui, dis-lui la vérité, Mélodie. Dis à la Terre tout entière que tu es très amoureuse de Ricky, la vedette de Battle Ball. Oui. Oh, c'est pas vrai, faut qu'il tombe en panne. Juste au moment où ça devenait intéressant. Regardez, c'est Franken. Quoi? Mesdames et messieurs, ici Franken. Je vous annonce que la Ligue Interplanétaire a donné son accord pour le match du siècle. Ce match opposera mon équipe, les Devil Thunders, aux joueurs tenant du titre de champion universel, les Blue Planet. Le match se jouera demain à 18h précises. Tâchez de ne pas le manquer. Je compte sur vous. Demain à 18h? Demain à 18h? Demain à 18h? N'oubliez pas, demain à 18h précis, si l'équipe des Blue Planet ne se rend pas au stade en temps et en heure, le titre de champion universel lui sera retiré et attribué à mon équipe qui, de toute façon, l'emportera par une large victoire et n'a pas besoin d'un forfait pour gagner. Dans l'intérêt du sport, je demande aux dirigeants des Blue Planet d'être fidèles au rendez-vous. Quant à vous, amis téléspectateurs, je peux vous garantir que vous aurez droit à un spectacle d'une très grande qualité. Vous avez beau essayer de charmer le public avec vos manières, c'est nous qui l'adorent. Ricky a raison. Franken fait une opération de charme pour que le public les soutienne, pourvu qu'on les batte demain avec l'aide de nos supporters. Mais qui c'est celui-là et qu'est-ce qu'il veut? Ce gars-là, c'est leur lanceur. Il s'appelle McKay. Nous allons vous faire une petite démonstration de ce que les Devil Thunders sont capables de faire. J'ai eu l'immense privilège de voir ce qui attend les Blue Planet demain à 18h.
T'as vu ça? Oui, j'ai vu. Vous pouvez toujours essayer de nous impressionner avec vos trucs. Ricky, le joueur des Blue Planet, n'a peur de personne. Mais... Oh. Où est-il? Très bien. Vous avez défié les Blue Planet. Vous allez regretter ce geste. Moi, Ricky Superstar, je vous garantis que mes amis et moi allons vous battre. Ça va être leur fête. Nous, les joueurs les plus forts de l'univers, on va leur donner une leçon dont ils se souviendront. Salut, Gradip. Salut, Gradip. Salut, Calif. Vas-y, mon Calif, mets le turbo. C'était très gentil de m'apprendre les secrets de l'art du combat, mais je dois partir maintenant. Ah, mon jeune élève, j'ai été infiniment honoré d'avoir pu t'avoir comme disciple et je ne t'oublierai jamais. Si un jour tu as besoin des conseils de ton vieux maître, n'hésite pas à revenir me voir, ça me ferait grand plaisir. Merci, maître. Razmat, je garderai pour toujours le souvenir d'un ami et d'un remarquable combattant. Et jamais nous ne t'oublierons, tu seras toujours le bienvenu dans notre dojo. À bientôt, que la force soit avec toi. Salut, Ricky. Salut, Gradup. Salut, Calif. Je suis content de vous revoir ici, les amis. Oh, pas autant que moi, Ricky. Ça fait si longtemps que j'ai pas mangé la délicieuse cuisine des Blue Planet. Est-ce que les autres sont déjà arrivés? Hey, salut, les amis. Content de vous voir tous. Salut, Valentino. Je savais pas que t'étais fiancé. Oh, je me suis fait avoir comme un vulgaire débutant. Toujours aussi frétillant, mon cher Ricky. Oh, te moque pas de moi, Catherine. Est-ce que tout le monde a vu Franken et les siens à la télé hier au soir? Comment aurions-nous pu ne pas les voir? Ils étaient sur toutes les chaînes en même temps. J'ai vu leur démonstration, c'est en effet assez impressionnant. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut être au stade à 18h. Je suis sûr que tout le monde sera à l'heure. Oui, on y sera tous. Mais pour l'instant, il manque Razmot et Ivanov. Tu sais quand est-ce qu'ils arrivent? Moi, je me fais pas de soucis pour eux. Je suis certain qu'ils seront là à temps. Pour tout l'or du monde, ils ne manqueraient pas le match du siècle. Oui, tu as raison. On peut compter sur eux. À 18h, il faut que je me dépêche d'y aller. Mes amis ont besoin de moi. Attends, Razmat! Tu dois revenir au dojo. C'est urgent. Il est arrivé quelque chose de très grave. Quoi? Tiens, il en reste encore un. Je peux te proposer un arrangement, l'amiable. Tu as 2 secondes pour filer avant que je ne décide de te faire subir le même sort que j'ai réservé aux autres élèves de ton cher maître. Jamais. L'arrête ! Maître ! Je ne veux pas que mes élèves se battent contre cet homme. Mais maître ! Voilà le vieux maître en personne. Il refuse qu'on se batte contre moi. Dois-je comprendre que tu vas payer ce que je réclame ? Oses-tu m'affronter, grand-père ? Je suis là, maître. Oh. Razmot est revenu. Merci d'être revenu, Razmot. C'est moi que tu dois affronter. Tu vas goûter à ma fameuse attaque éclair. Normalement, je ne devrais pas me battre contre un plus petit que moi, mais cette fois, c'est différent. Pour l'instant, il manque plus que Razmot et Ivanov.
forme aujourd'hui. C'est parce que je veux gagner ce match. C'est bizarre que Razmot et Ivanov ne soient pas encore arrivés. Oui, c'est vrai, il nous manque également notre brillant docteur. Mais ne vous inquiétez pas pour nos amis. Le match débute à 18h. Ils ont encore le temps d'arriver. Oh, moi, je ne m'inquiète pas pour eux. Et puis, faut reconnaître que c'était bon à la cantine. Il y avait 3 parts de plus pour moi. Tu vas te souvenir de moi. C'est la raclée du ciel pour toi. Je dois m'en débarrasser rapidement. Faut reconnaître qu'il est agile. Je vais l'envoyer au tapis maintenant. Cette fois, je vais en finir avec toi. Attention! Bravo, Razmot, tu l'as arrivé! Je me demande ce qui a bien pu leur arriver à tous les trois. Ne t'inquiète pas, je suis persuadé qu'ils vont nous rejoindre au stade à l'heure prévue. Oui. Allez, on se met en route. Dépêche-toi, Ricky. Bon, ben, quand faut y aller, faut y aller. Allez, vas-y, Ricky. Donne le coup. Oui, vas-y, Ricky. Allez, on se met en route. Il faut que j'arrive à temps. Mesdames et messieurs, bienvenue au stade géant pour voir le match du siècle entre les Blue Planet, tenant le titre de champion universel, et les Devilsons. Cette rencontre promet d'être animée d'autant plus que les Challengers ont déjà montré certaines de leurs qualités aux téléspectateurs du monde entier. En avant les Blue Planet! 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 C'est bizarre, il devrait être là. Il reste moins d'une demi-heure avant le coup d'envoi. Ai-je quand quelqu'un a essayé de les contacter chez eux à la maison? Non. Le tirage au sort a désigné les champions pour lancer les premiers. La tension commence à monter sur les bords de touche des deux équipes. Chez les Devils Sanders, il n'y a qu'un visage qui me soit familier, celui de Franken, leur entraîneur. Les Blue Planet vont faire connaissance avec les meilleurs joueurs de l'univers. Ils seront désagréables surpris. Écoutez-moi bien, on ne peut pas les attendre plus longtemps. Faut trouver une solution. Sinon, on est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais les remplacer par spéculateur et par baladeur que je vais devoir malheureusement retirer du champ. Comment ça? Mais c'est pourtant, on ne peut plus logique, Ricky. Nous devons les remplacer. J'en ai discuté avec mon collègue l'excellent Maurice, on est d'accord. Vous connaissez tous le règlement du Battle Ball. Il stipule que les joueurs inscrits sur la feuille de match pour débuter la rencontre doivent tous être présents sur le terrain lorsque l'arbitre-chef donne le signal du coup d'envoi. Sinon, c'est l'élimination. En résumé, si on met Ivanov et Razmot sur la feuille de match pour débuter la rencontre et qu'ils viennent pas, on aura perdu. Vous devez tous comprendre qu'on ne peut pas se permettre de prendre un tel risque, même si nous savons tous que nos deux coéquipiers sont sûrement en route pour nous rejoindre. Ils ne seront pas titulaires. Tiens, voici la liste. Je vais la déposer. À votre place, je resterai ici, c'est trop tard. Hein? Mesdames et messieurs, voici la composition des deux équipes suivant les listes remises par leurs entraîneurs. Comment ça? Vous avez vu ça? Ivanov et Razmot sont sur la liste. Mais c'est pas vrai! Ricky, si jamais c'est toi qui as donné la feuille de match, ça ira très mal pour toi! Mais ne soyez pas inquiet! Quoi, pas inquiet? Il va me faire devenir dingue! Mesdames et messieurs, on m'apporte à l'instant une dépêche indiquant que les joueurs Ivanov et Razmot des Blue Planet, qui sont sur la feuille de match, ne sont pas encore arrivés sur le terrain. Il ne leur reste que très peu de temps, sinon ce sera l'élimination pure et simple des Blue Planet. Mais c'est terrible! Tu parles, ça veut dire qu'il ne leur reste que moins de 10 minutes pour arriver ici. Sinon, les Devils Thunder seront gagnés par élimination. 10 minutes, ça fait vraiment très peu. Oh, c'est pas de chance, il y a d'énormes bouchons. De quel droit est-ce que tu as été déposé la feuille de match alors que c'est moi qui décide? On a toujours décidé de jouer avec nos deux amis Razmot et Ivanov. Mais ils sont pas là! Écoutez-moi tous! Faut leur faire confiance, ce sont nos amis. Jamais nous n'avons eu de problème avec eux. Et moi, je suis sûr et certain que bientôt, ils seront avec nous. Moi aussi, j'ai confiance en eux, Ricky.
Moi aussi. Je crois qu'ils arriveront à temps pour débuter la rencontre. Je sais qu'on a toujours pu compter sur eux. Oui, ça ouais, c'est vrai, oui. Merci, les amis. Les joueurs des Blue Planet pénètrent les premiers sur le terrain. Je préfère fermer les yeux pour ne pas voir la catastrophe qui nous attend. Je compte les joueurs, il manque toujours Ivanov et Razmov. Ils vont nous donner le titre de champion sans même le défendre. Hey, toi, tu viens de sauter sur mon crâne, excuse-toi tout de suite. Mais c'est incroyable, c'est Razmov. À mon chronomètre, il ne reste plus que 5 minutes pour que les deux joueurs arrivent à temps. Sinon, l'équipe des Blue Planet pourra remettre son titre de champion universel sans même pouvoir le défendre. Nos amis attendent qu'on arrive pour se battre. Mais s'il vous plaît, monsieur, il ne nous reste que quelques minutes. C'est impossible, vous avez vu la circulation aujourd'hui. Bon, alors laissez-moi conduire. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Allez, plus vite, accélérez! C'est impossible, je suis à fond, et ça c'est un camion, pas une Formule 1 que je sache. Cette fois, on est vraiment fichu, c'est perdu. Ivanov, regarde ce camion! Le docteur! Et il ne reste plus qu'une poignée de secondes pour qu'ils arrivent. Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Est-ce que vous avez une solution à nous proposer? Il ne reste que 3 minutes pour être à l'heure. Voilà ce qu'il nous faut. Avec une fusée, on a une petite chance d'y arriver. Bientôt l'heure d'être sacré champion. Allez, monsieur l'arbitre, faut débuter la rencontre. Pas si vite! Qu'est-ce que vous allez faire, docteur? Modifier un tout petit peu notre hélicoptère pour qu'il aille plus vite. Vous croyez que ça va marcher? Enfin, je veux dire, sans rotor, on ne peut pas voler en hélico. Mais avec une fusée, ça marchera. Il faut savoir prendre des risques. Maintenant, c'est le moment de vérité. Vas-y. L'horloge du stade indique 18h précises et toujours pas de traces de Razmov et Ivanov. L'arbitre ne va pas tarder à donner le signal du départ. C'est le stade! Cette fois, on est fichu. Oh. Oh non! Allez-y! Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une fusée qui arrive sur nous! Ils sont arrivés! Youpi! Oh, ils sont là! Incroyable! Les joueurs des Blue Planet sont au complet! La partie peut donc se dérouler normalement! Allez-y! Je ne sais par quel miracle les deux joueurs sont arrivés, mais le fait est que le match peut commencer puisque l'équipe est au complet. Allez, vas-y, Ricky, en avant! Montrez-leur ce que vous savez faire! Je préfère quand même ne pas regarder le début du match. Ouais, ils sont là. À dire la vérité, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. En avant, les Blue Planet!